Alors aujourd'hui nous sommes à côté de cette Zoé sur lequel on va faire la charge de la voiture. Donc je mets la carte, je l'allume. Donc c'est le volant, je vais essayer de le baisser pour que ça soit plus visible. Donc comme vous pouvez voir, il reste 26 km. Et du coup, on va... Là, elle est en route. D'ailleurs, on entend comme un... Presque comme un moteur thermique qui tourne. Voilà. Donc l'autonomie, quand je l'ai prise, elle avait 100... 116 km. Et voyez, elle reste plus que 25. Alors, j'essaie de voir sur l'ordinateur de bord ici si j'arrive à avoir une info. Ça, c'est la consommation 18. Eh ben, non, je n'arrive pas. Ah, bah si, totaliser, c'est ça. Donc, j'ai fait en réalité sur les 125 annoncés, j'ai fait 71 km et demi. Et là, il reste 25 km. Vous voyez, ça fait à peine une minute qu'elle est en route. J'ai perdu 1 km. Voilà, donc on est dans la... dans la Renault Zoé haut de gamme. Hein. Il y a le GPS, Bluetooth, toute la clique. Donc c'est là, haut de gamme. Sans cuir et sans toit panoramique. Voilà, sinon c'est la toute option. En termes de finition, on y reviendra, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le moment, on va parler de la charge. Donc, la boîte de vitesse ici, elle se présente comme ça. Et puis, là, je mets sur D et on avance. Alors après, c'est comme toutes les autres voitures, hein, c'est très silencieux, bien sûr. Donc là... Donc pas de radar de recul sur ce modèle, hein. Comme vous pouvez voir, c'est des radars. Enfin, pas de caméra, je voulais dire. Voilà, donc il fonctionne, il n'y a pas de problème, vous voyez. Voilà, et on va la mettre à charger. Donc, voilà. Donc ici, on est toujours à 25 km. Pour le coup, voilà, frein à main. Alors, c'est quoi ce bouton? Ah d'accord. C'est pour avoir... une cinématique différente. Ok. Bon, on va mettre comme ça. À mon avis, ici, on doit avoir les tours minutes. Ouais, on doit avoir les tours minutes. Bon, ici, c'est le régulateur de vitesse, hein, c'est normal. Et puis, je vais la mettre à charger avec le chargeur d'origine pour voir combien de temps elle va afficher. Donc, logiquement, je dois... l'éteindre. Donc là, elle est éteinte. Je récupère ma carte. Et après, je dois... Donc ça reste allumé. Un peu comme sur le ZS EV2, d'ailleurs. Et le Marvel. J'ouvre la porte. Et là, vous voyez, l'infodivertissement s'est arrêté. Alors,
Donc on va prendre le chargeur de la voiture pour la mettre à charger. Alors, on revient sur les chargeurs. Ici, on a le chargeur de la Zoé, donc qui est traditionnel. Hein. Il y a juste chargé, en train de charger et puis défaut. Le câble est ici. À côté, nous avons nos chargeurs à nous, enfin notre chargeur universel. Comme vous pouvez voir, on peut le sélectionner jusqu'à 16 ampères. Regardez, j'appuie sur le bouton 8 ampères, 10, 13 et 16. Voilà, donc 8 ampères intéressant pour de temps en temps faire une charge à cette puissance-là, ce qui permet de rééquilibrer les cellules de la batterie. Voilà, donc ça c'est pour la petite information. Alors ici, on est en face de la voiture. Voilà, parce qu'on est obligé d'avoir la télécommande pour avoir accès ici à la prise. Je prends donc la prise d'origine, enfin le chargeur d'origine à la voiture. Je l'enfonce. Ça, c'est verrouillé. Alors, je vais à la voiture et elle affiche. Alors, qu'est-ce qu'elle m'affiche? Donc, elle est bien connectée, pas de souci. Et elle va mettre 14h30 à charger. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi tout à zéro. Regardez, tac. Tac. Parce que comme on va partir certainement sur une charge complète, comme ça, sera déjà à zéro et on n'en parle plus. Donc, le temps restant de charge, donc elle était à 25%, hein, il y a 14h30. Maintenant, je vais retirer. Oui, je vais retirer, je vais mettre notre chargeur. Je vais vous faire la démonstration avec les différentes puissances pour savoir si on a vraiment un gain ou pas. Allez, c'est parti. 14h30, hein, chargeur d'origine. Voilà, donc là, je désactive, toujours avec la télécommande. Hein. Tac, et là, je prends le chargeur. Désolé, il vient de faire une chute. Alors, tac, je le remets. Alors, on va aller à la voiture. Donc là, on est en 8 ampères. Eh ben, ça a vachement réduit, hein, temps restant, que la moitié, 7h10. Je vais aller voir si on est vraiment en 8 ampères, parce que ça me paraît une grosse différence. Donc là, toujours notre chargeur à nous. Ah non, on est en 16 ampères. Voilà, 16 ampères, ok, donc je vais enlever et je vais mettre sur 8 maintenant. Donc, 14 à 7, ça nous fait diviser par 2, tout simplement le temps de charge. Donc ça veut dire que votre batterie, si elle est vide, vous avez ce chargeur universel, automatiquement la nuit suffit largement pour charger à bloc la batterie. Voilà, donc je vais maintenant ici. Donc on désactive, je mets au sol, je viens ici, parce que tant qu'elle est branchée, je ne peux pas modifier l'ampérage, et ce qui est normal. Vous voyez, j'avais laissé juste à peine une minute, et elle avait reçu donc 0,5 kW. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là maintenant, on est en 8 ampères. Voilà, c'est verrouillé, je ne peux pas le sortir. On va aller à la voiture. Vérification en cours. Donc, déjà avec le chargeur universel, on gagne une heure. Même à 8 ampères, on gagne une heure de charge.
en temps de charge. Donc là, si je vais faire le test quand même en 10 ampères, voir ce que ça va donner. Et comme ça, vous avez toutes les durées avec les fameux 25%. Ah oui, il faut que je l'enlève d'abord. Donc la clé toujours. Voilà. Là, j'ai désactivé. Et maintenant, on va mettre 10 ampères. Vous voyez? Tac. 10 ampères. Alors, allez, zou. Désolé pour la qualité, mais au moins, je ne coupe pas. Et on ne pourra pas dire que j'ai fait des montages, etc. Voilà, là, c'est fait. Ah, bizarre parce qu'il dit 21%. Voilà, donc là, on a encore baissé. On est à 13,50. Donc là, la baisse est vraiment pas flagrante. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas avoir plus d'informations sur la charge. Mais ça, c'est sur toutes les voitures. Alors, je vais à nouveau mettre maintenant sur 13 ampères. Donc, la clé toujours. Voilà. On défait. Donc ici, je suis bien à 13 ampères. Comme vous pouvez voir, on va remettre à charger. Donc, il faut bien enfoncer. Voilà, là c'est verrouillé, on ne peut plus l'enlever. . 10h25. Donc là, on gagne déjà pas mal. 10h25 et je vais le mettre en 16 ampères. Donc il dit qu'il y a 21% de charge certainement. Alors je l'enlève et je remets donc sur 16 ampères. Ici 16 ampères. Voilà. Donc là, ça va envoyer beaucoup plus. Ah. Ici. Donc après, pour éviter d'avoir ça qui pendouille, bah vous le mettez juste comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Sinon, pour d'autres, vous pouvez le mettre donc soit coincé comme ça ou soit ici. Vous voyez, alors tout à l'heure j'ai réussi à le faire tenir. Bon, là bien sûr, pour la démonstration, il veut pas, et sinon ici comme ça. Voilà, donc bon, moi pour ma part, je préfère qu'il soit mis ici en dessous, il bougera pas. Et là, on va aller à la voiture. Et voyez, on est passé à 7h10. Donc, dans 7 heures, la voiture sera complètement chargée. Et après, on verra donc l'autonomie complète de la voiture. C'est-à-dire qu'elle va afficher le nombre de kilomètres qu'elle est capable de faire. Et à savoir que là, nous sommes en hiver. Comme vous pouvez voir, il y a seulement 2 degrés à l'extérieur. Donc, bien sûr, le temps de charge est beaucoup plus long que d'habitude. Hein, en été, la charge dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec le chargeur, au niveau ampérage, elle va charger plus vite. Voilà. En termes d'autonomie, c'est pareil. Elle va avoir tendance à faire plus de kilomètres. Là, en l'occurrence, elle affiche en hiver à peu près 125 kilomètres. Voilà, donc ça c'est pour la petite information. On va laisser charger, hein,
On laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis on verra s'il y a des améliorations ou autres. De temps en temps, je vais essayer de venir sur la voiture pour voir si elle a vraiment à charger. Donc 7 heures, dans 7 heures, donc là il est 9h27, hein, on va dire, allez, les 9h30, plus les 7 heures, ça nous fait début d'après-midi. Voilà. Donc on va laisser faire. Allez, on la laisse reposer tranquillement et on va mettre le chargeur d'origine dans le coffre et on laissera toujours dans le coffre. Voilà, on ferme la voiture. Voilà, c'est fermé. Les rétroviseurs ne se replient pas. Bon, dommage. Alors, je reviens sur le véhicule qui indique 51% et il reste 4h35. Et il est... Je ne sais pas si vous arrivez à lire. 4h35 au-dessus du 51%. Et il est 11h45. Il est 11h45. Ce qui veut dire que la charge, elle est même un peu plus rapide que ce qui avait été annoncé. Donc, au niveau du chargeur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va essayer. Alors, on est à 16 ampères. Ça fait 2h20 qu'il est en charge. Vous voyez? Il envoie 14 ampères, presque 15 ampères réels, pour une puissance de 3,2 kW. Et donc, la voiture a déjà absorbé 7,5 kW. Voilà, et la température du chargeur est de 23 degrés. Donc, une utilisation idéale pour charger. Voilà, l'extérieur, il doit faire à peu près une bonne dizaine de degrés. Et donc, le véhicule est toujours branché. Voilà, on entend un petit bruit électrique avec donc ZE allumé. Et ici, donc, en chose que je ne savais pas, c'est que pendant la charge, ça reste bien, le tableau de bord, il reste allumé. Il indique donc 51%, 4h35 restant. 4h30 donc. Donc, ça nous fait, allez, on va dire midi, donc 13h, 14h, 15h, 16h. Vers 16h30, le véhicule est terminé d'être chargé. Voilà. Donc, on a gagné par rapport à l'origine 10 heures de charge, ce qui n'est pas négligeable. On laisse suivre et on verra après combien de kilomètres elle fait avec la batterie pleine. Alors, je regarde sur ma montre, il est 15h25. Et là, au niveau de la voiture, voilà. Il dit qu'il y a 98% de charge et il reste 50 minutes. Donc, un petit peu moins de ce qui était annoncé initialement, 4h30, enfin 16h30 en fait pour la charge. Donc ici, on va rajouter une heure. Et ici, donc, ça fait 1h40. Que le chargeur nous tourne, il envoie du 14 ampères et demi, 3,3 à peu près, et l'a déjà délivré 5 kW, un peu plus de 5 kW à la voiture. Là, c'est bizarre parce qu'il dit 1h40, alors ça veut dire qu'il y a une interruption au niveau de la charge. Ah, ça, il faudrait que je regarde de plus près parce que ça veut dire que c'est la voiture qui peut faire les pauses. Parce que ici, au niveau du chargeur, il est toujours resté constamment connecté. Donc, bien sûr, la voiture.
Là, on entend bien l'électricité. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Je tire sur la poignée. Et non, elle ne sort pas. Donc, elle est bien connectée et il nous reste bien 98%. Voilà, 98% et 50 minutes. On va laisser charger tranquillou. Voilà, avec le chargeur universel à 16 ampères, donc qui a divisé le temps de charge par rapport au chargeur fourni avec la Zoé. Voilà, donc on viendra après et on fera un test en mode normal, combien de kilomètres elle peut nous faire, et après on fera aussi un test en mode éco. Pareil, on teste tout ça. Alors, je reviens, a priori, là c'est éteint, je ne peux pas retirer. On va aller à la voiture. Ah, le compteur est complètement éteint. Donc, ça nous indique 100%. Donc la voiture est 100% chargée. Bon, ça c'est une bonne chose. Ah non, je garde la voiture avec moi. Alors, est-ce que elle a consommé zéro? On est à zéro, tout est à zéro et rien qu'à zéro. Bon, bah, très bien. Bon, au niveau de l'horaire, on est à 16h52. Normalement, elle était terminée d'être chargée vers les coups de 16h15 à peu près, hein. C'est ce qui était prévu. Bon, malheureusement, je n'étais pas forcément disponible et du coup, c'est seulement maintenant que je viens. Bon, je vais débrancher la prise de la voiture et ainsi, elle va pouvoir me dire bah, combien de kilomètres elle peut parcourir donc avec le 100%. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui se posent des questions, vous voyez, là, la voiture, il y a de la buée qui est en train de se former. Je ne sais pas si vous avez à lire. Vous voyez, on a des taches. Et en fait, dans la voiture, il y a un peu de buée. Donc, bien sûr, le chauffage, il est complètement éteint. Ah, voilà. Et parce que la voiture, elle est un peu hermétique. Et certainement parce que j'ai mon petit blouson qui doit être légèrement humide. Bon, ça, c'est pas grave. Allez, on va débrancher le chargeur. Ah, vous voyez, là il s'est allumé. Donc ici, la prise. Vous avez entendu le bruit. Du coup, je peux l'enlever. Donc je fais une pause, je vais ranger la prise tranquillement. Alors voilà, on reprend. Donc ici, c'est très simple. Il y a ça, on a juste à appuyer. Regardez, ça y est, c'est fait. On va aller maintenant dans la voiture. Bah, c'est plus qu'hier. Bon, hier, on avait à peine 2 degrés, hein. Là, on en a 5. Et là, elle nous dit que je peux faire 146 km. Bon, allez. Là, je l'ai débloqué. Je vais la mettre en route. Lumières qui sont mises automatiquement parce que c'est en mode automatique. Donc là-dessus, pas de souci. Alors, qu'est-ce que... Bah, je vais couper le son. Je vais changer la voiture de place. Sans bouger, hein. On a déjà perdu 1 km. La conso. Thank you.